rencontre avec Enrico Pieranunzi pour le Jazzophone. Enrico Pieranunzi qui se produit ce soir au Forum Nice Nord, à Nice bien sûr, et avec son trio, avec Thomas Bravery à la contrebasse et André Secarelli à la batterie. André que nous avons interviewé la semaine dernière, c'est au tour de M. Pieranunzi. Alors M. Pieranunzi, vous aimez la Côte d'Azur parce que vous avez pris deux musiciens qui sont de la Côte d'Azur, le Toulonnais Thomas Bramery et le Niçois André Secarelli. Et donc, peut-être il y a une liaison méditerranée, parce que je suis né à Rome, et j'y vivre à Rome. Et peut-être quelqu'un l'a oublié, mais Rome n'est pas loin du mer. De la mer. De la mer, aussi. Et donc, l'esprit du Méditerranée est par là aussi. Et aussi, je connais déjà de longtemps le grand André Secarelli. Je pense que probablement le plus grand batteur d'Europe pour moi. Nous avons joué la première fois dans la Côte d'Azur, à La Ciotat, dans les 91. Ah oui, et avec un très bon groupe, avec Dédé à la batterie et I'm at the Gain de l'Hollande au contrebasse. Rick Marghizza au saxophone. Ancien saxophoniste de Miles Davis. Et je pense Eric Lelanne à la trompette. Et donc, après, nous avons fait des disques, nous avons fait beaucoup de soirées, beaucoup de tours avec André et aussi Thomas est un grand. So, je suis heureux privilégié de jouer avec des musiciens comme ça. Il y a beaucoup de rapports entre les musiciens français et les musiciens italiens. Il y a beaucoup de passages, par exemple, à notre pianiste italien qui est très connu, M. Giovanni Rabassi, lui vit à Paris, il joue avec des musiciens français et les musiciens italiens viennent souvent jouer en France et vice versa. Vous pensez que ça tient à la vénicité des deux cultures? Les deux cultures sont proches, comme vous le disiez, des cultures latines, méditerranéennes peut-être. Ça a raison aussi, je pense que franchement, je pense que la France. Je suis passionné de l'histoire de sa musique merveilleuse que nous jouons. Donc, dans l'Europe, la France a eu un rôle très important parce que le jazz est arrivé dans l'Europe à travers la France. Donc, et après, est arrivé dans l'Italie, à travers la France. D'abord la France. D'abord à la France, après dans l'Italie et partout l'Europe. Et donc, maintenant, dans les dernières décades, il y a un retour, un échange très fort. Je pense qu'il y a une question de vicinité, de sensibilité, de latinité, si tu veux, bien sûr, par exemple. Mais vous aimez aussi la musique française, ce qu'on appelle la musique impressionniste, la musique de Debussy, de Ravel, tout ça, c'est quelque chose qui compte aussi pour vous. Ah, pour moi, elle est merveilleuse. Pour moi, elle est merveilleuse. J'adore toute la tradition française de 19e siècle, à partir d'Emmanuel Chabrier, Debussy, Fauré, Ravel, mais aussi des musiciens qui, dans l'Italie, au moins, malheureusement, ne sont pas beaucoup joués comme Darius Milhaud et Francis Poulenc. Oui, bien sûr. Mais je voudrais ajouter que j'ai aussi une très forte liaison avec un musicien français qui est le drapeau de la musique française pour longtemps, et ça est Django Reinhardt. Parce que mon père est un guitariste et il était très passionné de Django. Donc, pendant mon enfance, j'écoutais beaucoup de musique de Django et Grappelli, bien sûr. Et donc, l'atmosphère française, la gaieté, comme tu l'appelles. La gaieté de jouer le jazz comme ça, pour moi, est très important. On va traverser l'océan, on va aller en Amérique. Ah oui. Oui, le jazz américain, ça a une grande importance pour vous aussi. Vous êtes un grand spécialiste de Bill Evans. Vous avez même écrit un livre dessus. J'ai écrit un livre que j'ai lu. Avec grand plaisir. En français? En français. Oh, donc tu es un des 3-4 personnes qui l'ont acheté. Je l'ai acheté à Nice, à la librairie Masséna. Une bonne traduction. Je suis très, c'est comme dit, grateful, reconnaissant. Hein? Reconnaissant. Reconnaissant pour la traduction de quelqu'un fait. Donc, si,
normal. Dans les disques que j'ai écoutés pendant mon enfance et mon adolescence, Django est important, mais beaucoup aussi de trois ou quatre noms qui pour moi sont fondamentaux pour ma formation, oui. Comme Chet Baker, Charlie Parker, beaucoup, et Lycon. Et après, j'ai fait un parcours de découverte et d'assimilation de langages de beaucoup des autres musiciens. Et Bill Evans est plutôt bizarre que je suis arrivé à Bill Evans à travers de Chet Baker. Bizarre, parce que normalement, bizarre c'est Miles Davis, normalement. Non, parce que l'histoire est que dans les 1969, pour la première fois, j'ai joué avec Chet. Bien sûr, je connais les CD que j'ai écoutés pendant mon adolescence, mais donc j'ai commencé à jouer avec lui. Et ça est un moment pour moi fondamental pour changer et pour construire mon langage mélodique. Parce que Chet est un grand artiste, un grand mélodiste, un grand chanteur sur la trompette. Et donc, à travers lui, j'ai modifié mon langage qui à l'époque était beaucoup harmonique et rythmique, influencé surtout par McCoy Tyner, Chick Corea et des autres. Et à travers des chefs, j'ai recouvert la mélodie. Et sont arrivés à Bill Evans, à la mélodie, à l'essence de la narration qui est dans la mélodie de Bill Evans. Ça est le parcours. Une dernière question, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de l'état du jazz en Italie à l'heure actuelle? Il y a beaucoup de bons musiciens, il y a beaucoup vous-même, bon il y a musiciens. Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, etc. Très bon, donc je pense qu'il y a une génération de musiciens merveilleuse. Malheureusement, quelquefois, la production n'est pas au niveau de la qualité des musiciens. La production, je vais dire, des compagnies de production de disques, mais ça a un problème partout l'Europe. Mais la génération de musiciens est merveilleuse, c'est incroyable, ce sont les meilleurs. Non lo devo dire io, non posso dire io che siamo i migliori. Qualcuno dice che siamo i migliori. Grazie mille. Grazie a te.